dans ta saison d'abondance. Ma chérie, regarde, tu es déjà une star. Tu es une star. Donc, je vais t'annoncer que, reviens pour moi, on va même te parler. On va te dire les contacts. C'est que depuis là, tu as tu ressens la mobile, on va même te sécuriser pour que nous puissions répondre à tes messages. Donc, suive les vitres de ta voiture. Envoyez des trucs. Achetez des lunettes de vente. Ils sont plus ambitieux. Ma chérie, tu as allé quelque part, tu as une chambre. Pas toute la maison. Bonjour. Au début, j'étais très... Bonjour, bonjour. Bienvenue, connectez-vous, connectez-vous. Entrez, entrez. Toutes les épreuves que tu as traversées étaient là pour te préparer pour ce moment. C'était là pour te préparer pour ce moment de royauté. Donc, tu as déjà tout coché, les cases. Tu as validé toutes les UV qu'il fallait valider. Maintenant, tu as le droit et le devoir de devenir riche. En fait, tu n'as plus d'excuses. Ta saison est là. Écris ici, ma saison est là. Lance-toi, tu fais ce business. Lance-toi, tu chantes cette chanson. Lance-toi, tu ouvres le business là. Écris le livre. Ne te donne plus une excuse parce que l'énergie est prête. L'énergie est prête. Tu as déjà souffert toutes les souffrances de ta vie. Tu as souffert d'ailleurs pour 20 vies. Je me rappelle, je disais tout le temps, j'ai déjà souffert pour 20 vies. J'ai déjà été pauvre pour 20 vies. Je ne serai plus pauvre dans ma vie. Donc, il déclare que ta saison est là. Tu vas te lever, tu vas aller accomplir. Tu vas devenir la femme et l'homme qu'il faut pour entrer dans ta saison. Au nom de Jésus. Tu ne te décourageras plus. Tu ne commenceras plus quelque chose. Tu vas abandonner. Tu ne vas plus, on va plus te voir ici comme le clignotant. Je déclare que la saison de clignotant est terminée. Je mets la consistance dans tes choses au nom de Jésus. Je déclare que ton énergie sera constante tous les jours. Tu ne seras plus un jour riche, un autre jour pauvre. Ta saison est là. Donc, lève-toi, tu avances. Lève-toi, tu avances. Bonjour Louise Waou. Lève-toi, tu avances. Écrivez, je me lève et j'avance.
Ok, je voudrais t'envoyer en voice une révélation dont tu m'avais parlé, mais ce matin c'est fort. Ok. Tu as mon numéro, non? C'est sur le truc là-bas. Vous voyez le nouveau jour qui se lève là. Vous voyez la journée qui commence. Si tu peux écrire, écris alors. Ou soit tu fais un voice. Trouve le numéro, tu fais un voice. Moi, j'écoute vos messages. Hein. On va commencer le jeûne demain. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est des choses que vous n'avez pas fait depuis longtemps ou bien que vous n'avez... Vous voyez un peu. Mais... tu es en train de commencer à dire que est-ce que je vais y arriver? J'ai compris et je suis en train de comprendre de la vie que tu ne peux pas tout ce que tu fais. Bon, écoutez, voici les saisons que j'ai remarquées dans ma vie. Je crois que ça va aider quelqu'un. Donc, je demande la grâce et les paroles appropriées. Oh my god, c'est bizarre, hein? Depuis quelques jours, on me donne beaucoup de chocolat. C'est un truc que je remarque. J'ai une de mes filles, hier, elle m'a donné un chocolat. Cette semaine, j'ai reçu au moins 7 plaquettes de chocolat, 6 ou 7. Donc, merci pour le chocolat que vous me donnez. Je ne sais pas si vous avez ajouté du chocolat sur mon chocolat, mais bon. Ok. J'ai remarqué cette saison dans ma vie. Il y a de cela 10 ans, j'étais une personne qui abandonnait beaucoup. En anglais, on dit quitter. I was a quitter. I will give up every, like, I will just keep giving up on things. Et ce qui se passait, c'est quoi? Même quand j'abandonnais, j'avais toujours en moi l'espoir. Donc, tu vois, quand tu commences un truc, tu dis, bon, je vais faire 70 jours de jeûne. Après 10 jours, tu abandonnes. J'ai appris à me féliciter quand j'abandonne. Et j'ai eu une période un peu creuse où j'avais échoué sur beaucoup de mes objectifs. Et... ça a touché ma confiance en moi. Ce qui fait que je ne voulais plus mettre la barre haute. À une période au Cameroun, ici, il y a quelqu'un qui m'a mis en cellule. J'ai pris la maison de quelqu'un. Ceux qui me suivent sur Facebook connaissent bien. Moi aussi, j'ai de l'amour pour vous. Merci. Thank you. Donc, dans cette période creuse, je ne savais pas ce que je devais. Donc, je sentais que ma volonté ne voulait plus. C'est bizarre, mais on dit volonté ne voulait plus. Bon. Bonjour, le roi Franck. Amen, amen. Que le Seigneur me fortifie, amen. Merci pour ta bénédiction, merci. Et pendant cette période-là, quand j'étais au sol, ce que j'ai compris qui me manquait, c'était juste la volonté de vouloir. Genre, je veux maigrir. Je veux construire ma maison. Je veux... Et c'est ce que l'ennemi va vouloir faire avec vous. Bonjour, le roi Franck. L'ennemi va vouloir t'empêcher de prendre une décision. L'indécision, c'est ça le diable. Hein? L'indécision et le doute. Tu restes, tu entends. On dit 40 jours. Tu dis, ah! En tout cas, moi, je vais voir. Moi, je vais voir comment il me sent le jour-là. J'ai agossi. Merci Franck, merci, merci. Je vais voir. Alors que même les foyers qui sont les plus perdus, je dis souvent à mon mari que tant qu'il y a de l'espoir, même si on ne voit pas, même si on reste comme ça, on ne voit pas le bout du tunnel. Seulement l'espoir là, ça fait quand même que vous regardez comme ça là, vous dites que bon,
On est quand même ensemble. Parfois, dans ton foyer, tu vas seulement te dire que même s'il n'y a rien physiquement et financièrement, I got you, babe. Like, je t'ai. Il n'y a rien, mais je t'ai. Il n'y a rien, mais je t'ai. Like, tu dois t'accrocher à la plus petite chose. Merci, exaucé. Et félicite chaque accomplissement. Même si aujourd'hui tu t'es réveillé à 5h30, alors que depuis 2 mois tu n'arrivais pas à te lever, tu te réveilles toujours à 8h. Félicite-toi. Waouh, Jocelyne, mais je t'ai réveillé à 5h30, c'est bien ça. That's what you need. That's what you need. L'ennemi aime l'indécision. Donc, le genre que tu ressens de mal, que tu fais alors comment? Tu veux ou tu ne veux pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on a mis là le mot je ne sais pas dans le français. Parce que je ne sais pas, c'est le diable. C'est comme si tu avais dit que Satan. Et quand tu ne connais pas, prends n'importe quelle décision. Bonjour à la reine Erika. Ma fille s'appelle Erika. Bonjour à la reine Yolande. La reine Naomi, exaucée, merci. Écoutez, l'indécision, c'est l'arme la plus puissante que l'ennemi a sur vous. Je dis toujours aux gens qui me suivent, je suis très dur avec mes paroles parce que, avec moi, soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Either you like me or you don't like me. Whatever you choose, choose something. Si tu ne m'aimes pas, ne m'aimes pas du, like, la fille m'énerve. Yes. Si tu m'aimes, oh, j'aime la femme là jusqu'à, voilà. Soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Même la Bible dit dans l'Apocalypse, ne soyez pas tiède. Tu es tiède, je te crache. Tu es tiède, je te crache. I speak you out. Merci Yael parce que tu as partagé la vidéo. Sortez de ça, s'il vous plaît. Je me rappelle quand je partais encore à l'église, avant d'ouvrir ma part d'église. Quand je disais que je suis dans l'église, j'étais dévoué, consacré, les pieds, les mains, la tête, les cheveux, tout le corps. Tout. Mais quand elle voulait pécher, la reine Noëlla, on va voyager aujourd'hui. Avant que tu rentres. Mais tu vas rentrer que la nuit. Ah ah, tu as vu ce que les gens font? Les gens qui dorment chez moi, je crois que je vais souvent ouvrir pour que plus de personnes viennent dormir. J'ai parlé de ça une fois. Voilà une qui a dormi chez moi, elle dit que la nuit était merveilleuse et thérapeutique. La méditation, la restauration, en une nuit vous aviez fait toute une chirurgie intérieure en songe. Oui. Il faut que j'appelle le chauffeur. J'ai envie qu'on voyage, qu'on va aller quelque part. On ne part pas encore. Je crois que je vais un peu organiser un peu plus souvent pour que ceux qui sont dans les autres villes viennent dormir peut-être une nuit. On va voir si on peut faire ça pour le mois de juillet. Parce que je suis en train d'aménager l'espace. Je suis en plein travaux. Donc,
Desert Hawk. Hello. Bonjour. Prenez le téléphone pour faire quoi? Mais attendez, j'ai oublié ce qu'il devait faire le téléphone, mais attendez quand même un peu. Il était charme. La reine Foster, quand j'étais ici, tu venais dormir chez moi. Bonjour, au revoir, Franck. Hello. Bonjour. Oui, on va partir tout à l'heure là. Donc, s'il peut être prêt, je sais pas, dans 1h30, c'est bon. Oui. Et retraite spirituelle. Mes oiseaux vont vous soigner quand vous allez venir. Il y a les oiseaux dans ma cour jusqu'à. Ils vont crier dans vos oreilles. Pip, 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 pip. Ils vont faire des petits, 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 petits. Ils ont mes oiseaux là-bas. Excusez-moi, je règle un petit détail pour mon voyage et puis je continue. Je vais enseigner sur le jeûne aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu as la rage de me revoir, hein. Stéphanie. Oh, vous me poussez à faire des retraites là. Attendez, je vais réfléchir. Mon local est assez grand. Et c'est fou, le Seigneur m'a fait fabriquer des matelas. Je vous assure que le Seigneur m'a fait fabriquer des matelas, ça fait 2 semaines. Et les matelas, j'avais prévu de faire ça pour l'école. Donc, je pense que bientôt, je serai en mesure d'accueillir des personnes, peut-être pour 2 jours. Juste en retrait. Et vous savez que ma maison n'est pas en route. Donc, c'est vraiment éloigné de la route. Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Je ne sais pas pourquoi ça me fait plaisir de savoir qu'on peut faire une retraite spirituelle. Ok. Et bonjour, Estelle. Zao, je t'ai porté sur mes pieds. Ça ne m'étonne pas. Tu me prends toujours. Quand tu viens devant moi, tu fais tout comme un bébé. Je ne sais pas si c'est toi. Pardon. Attendez, commence à enseigner alors. Parce que vous connaissez, vous faites comme les enfants. Bon, de toutes les façons, je suis votre mère. Dites-vous que je suis votre mère. Donc, je vais seulement vous prendre comme ça. Mais je pense quand même que. Vous savez ce qui fait qu'on tombe souvent, très souvent, avec les hommes, qu'on se laisse dérouter. C'est parce que la femme, est un peu, elle aime qu'on la dorlote. Mais la vie a fait qu'on devient tellement dur. Tu vois, on a tellement de choses à faire dans la vie, on doit attaquer, on doit faire ceci. Si bien que... Et parfois, nos mamans ne nous comprennent pas.
Vous voyez, non. Bonjour Agrippine. Nos mamans ne nous comprennent pas. Ce qui fait que... Et quand un homme te comprend, il commence à te cajoler, il cherche quelque chose derrière toi. Ce qui fait que trouver quelqu'un qui va être doux avec toi, sans intérêt, je dirais que c'est quasiment impossible. Je vous assure. Et ça fait mal. Trouver quelqu'un qui va. Donc, tu vois, quelqu'un qui est avec toi seulement, va pour quelque chose. Et je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai eu cette sensation-là. Quand quelqu'un s'est approché de moi avec un peu d'amour, je me dis toujours, pourquoi tu es si gentil? Why are you so nice? Like, whatever. Erika, Estelle, commence à faire tes bains de sel, s'il te plaît. Ça va commencer à te fortifier. Vous savez, il y a tellement de choses à guérir à l'intérieur de nous. Certaines personnes nous ont utilisés, certaines personnes ont abusé de notre gentillesse. Donc, certains parmi vous, vous avez le cœur meurtri. Certains, vous ne croyez même plus qu'on peut être gentil avec vous. Vous ne pensez même plus que c'est possible. Ah, c'est toi qui étais devant. La formation qu'on a faite dans mon bureau là, c'était toi. Ouais, les femmes, si vous connaissez, me déranger pendant les formations. Et une autre formation le vendredi prochain. Pour les femmes de l'eau, là. Femmes de l'eau, et je ne sais pas quel pouvoir ils vont vous donner le jour, là. Mais, ce sera plus pour instruction, quoi faire, quoi ne pas faire. Est-ce que je suis une femme de l'eau? Est-ce que je suis un sirois? Est-ce que je suis une sirène? Voilà. Bonjour, Donald. On s'est d'abord vu où, Donald? Si je me permets. Parce que tu me dis que tu me revois, tu es content. Bon, j'ai enseigné sur le jeûne, donc je repars. Patientez juste avec moi. Hein. Like, you know, just be patient with me. Voilà, hier j'ai enseigné sur le jeûne. Donc on jeûne à partir de demain. Mm-hmm. La formation c'est 50 000, pardon. 50 000 francs pour deux jours. Et vous entrez dans la formation sur... Je vais d'abord vous parler, je vais voir. Je ne veux pas que les gens vont gâter l'énergie de la formation. Oui, je fais des consultations. Je fais des consultations. En dollars, 50 000 francs en dollars, c'est combien? Ok, j'ai reçu les sous pour le kit fondation, ma chérie. Ce qui va se passer, tu vas écrire... ma secrétaire est là à partir de 8h30. Donc, écris à 8h30, je t'en prie. Comme ça, elle va t'enregistrer. Donc, comme tu es au Cameroun, on a besoin de ton nom, prénom, la ville où tu veux qu'on poste le kit fondation. Merci. Bon, merci, Félix. Ça m'évite de convertir. Ça fait 100$, apparemment. Non, je dois passer là-bas pour voir les évolutions des travaux avant qu'on ne parte. Donc, il doit d'abord venir ici me chercher. Donc, qui se rappelle de ce que j'ai enseigné hier? Je dormais là.
Je suis à Douala. Veuillez que tu es dans une saison où je crois que tu as déjà commencé ton travail spirituel. Donc, ils sont en train de te montrer que tu es sur le bon chemin. Maintenant, ils t'ont aussi révélé, parce que parfois, je sais que vous croyez que personne n'est contre vous. Tu as vu le cercle de femmes qui étaient contre toi. Tu as vu les personnes, il y a des caméras spirituelles qui t'observaient aussi. Et puis, il faut que tu te rappelles de ton assistance angélique. Tu as les anges qui sont avec toi. Je crois aussi que le reste est pour te rappeler. Parce que parfois, vous oubliez. Parfois, quand les situations physiques se passent, on est dans le tourment et on oublie, en fait, qui est avec nous. Voilà. Je sais aussi que tu es dans une saison où... Tu as vu la partie où tu guérissais les gens dans ton rêve, là. Tu as appelé à guérir des personnes. Tu as appelé à parler et aider des personnes. Guider les gens. Voilà. Je crois aussi qu'avec les enfants, là, tu vas peut-être travailler avec les enfants plus tard. Donc, voilà. J'espère que tu t'es connecté au wifi, hein. Je t'envoie le mot de passe parce qu'on a déjà réparé le wifi. Ok, j'aime arranger mes derniers détails avant de commencer à mon direct. Bon. Bon, hier l'enseignement était sur la signification du jeûne. Voilà, Chevalier a commenté. Privation d'une chose qui nous fait plaisir. Merci. Plaisir n'est pas forcément nourriture. Merci. Les différents temps de jeûne, 6h-12h ou bien 6h-18h ou bien 6h-15h. J'ai aussi enseigné sur l'importance des offrandes. Mm-hmm. Préparation de ces demandes pour le jeûne. Mm-hmm. Mais tu avais le cahier pour noter. Mais c'est bien. It's good. Votre vie va commencer à changer quand vous allez commencer à apprendre. La vie fonctionne avec des lois. Comme tu vas à l'école, tu deviens médecin, docteur là. Dans ta spiritualité, ta vie spirituelle, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour être docteur de ta vie. Malheureuse qu'il y a les boutons sur le visage. Dans le rêve, il faut venir prendre... Il y a un savon qui enlève le masque du visage. Tu prends ça avec du sel. Tu viens prendre ça dans tes pets. Ta tête à retenir. Ok. Isaïe 58, j'ai parlé du jeûne, des dons, des offrandes journalières. Se priver d'au moins trois choses naturelles qu'on aime le plus. Ouh, ça c'est très dur. La discipline. Mm-hmm. Naomi, Nana, c'est bien. Donc, sur 50 personnes qui m'ont écouté hier, là, vous n'avez pas retenu quelque chose. Hmm? Ah, hier, tu as fait ton offrande
J'ai béni ton offrande et dans la journée, tu as reçu 50 000. Pardon, mamie, il faut payer la dîme de 50 000. Vous savez, vous allez voir ce qui va se passer pendant les 40 jours aussi. Tu ne vas plus te passer de faire des offrandes, ma chérie. N'allez plus vous passer. On doit noter, écrire tous nos désirs avant le début du jeûne. Oui. Parce qu'on commence le jeûne demain. Et avant que je ne prenne le téléphone pour commencer à papoter, c'était... j'insistais sur le fait que... vous devez absolument prendre une décision. Donc, vous devez prendre une décision. Je vais jeûner. Ça, je veux que ça change dans ma vie. Donc, nous allons relire, je vais relire Ésaïe. Je vais relire Ésaïe 58. Excusez-moi. Ésaïe 58, verset 6. Valeureux, j'ai écouté ton, j'ai lu ton message, mais je suis en train d'enseigner sur le jeûne. Donc, si tu si avais dit depuis le voilà, c'est vous dire que tu me recontactes pour tes boutons. Vous n'êtes pas sérieux dans vos choses. Une femme enceinte ne jeûne pas, ma chérie. Vous n'êtes pas sérieux dans vos choses. Donc, il faut me laisser pas d'eau. Considère qu'elle ne t'avait pas dit que tu as les boutons sur le visage, le voile sur le visage. Donc, Isaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc, quand tu commences à jeûner, tu dois voir le plus grand travail du diable, c'est que il t'a fait accepter les méchancetés de ta vie. L'ennemi t'a fait accepter les méchancetés qu'il y a dans ta vie. Là où tu es là, tu vois tes situations, tu ne te dis même pas que c'est grave. Tu as accepté, pourtant c'est devenu normal. J'ai déposé mon dossier depuis pour mon passeport. Les gens font le passeport en une journée, ma part est en train de faire depuis 6 mois. Ah, c'est normal. Un jour, le Seigneur va débloquer mon passeport. Tu t'es marié à 3 fois. C'est normal. Peut-être que je ne suis pas fait pour le mariage. Tu as acheté les produits. Voilà ça au salon là-bas. Tu as dépensé 5 millions. Tu as ouvert le magasin. Les clients ne viennent pas. Ah, le temps de Dieu. Écoutez. Il y a les gens que leurs choses marchent. Vous me suivez? Il y a les gens que leurs choses marchent. Vous en connaissez. Parfois, quand vous êtes devant eux, vous vous sentez même mal. Vous vous sentez mal. Certaines de ces personnes-là, c'est parce que leurs parents, grands-parents, peu importe, ils ont semé dans la vie de ces enfants-là. Bon, Gaël Tchotcho dit, quand on jeûne et on est en couple, est-ce qu'on peut faire des rapports sexuels? J'ai touché là-dessus hier. Il y en a parmi vous, votre mari, il n'est pas d'accord avec les trucs de spiritualité là. En fait, il ne veut pas sentir ça. Donc, comme tu jeûnes là, mamie, ne le prive pas de sa chose. Pardon, même Dieu va connaître. Si c'est ton mari, vous êtes marié. Maintenant, il y en a parmi vous, vous pouvez approcher. Hier, j'ai un monsieur Batounet qui est venu. Je ne sais pas laquelle de vous est-ce que ce que je fais, fait ses bains. Elle a donné la page à son mari.
Son mari est tellement entré dans mes vidéos que hier, il cherchait la route pour venir à Paja 5h. Donc il arrive, il me parle pas toi, il me parle pas toi. Après, il me dit que c'est ma femme qui m'a. Ah, Dieu! C'est assez marrant. Très, très, très élégant. Il me dit, c'est ma femme qui m'a donné ta page, on a montré ta page. Elle-même n'est jamais entrée en contact avec toi. Voilà que c'est moi-même finalement qui te parle. Donc bravo aux femmes qui ont quand même passé ma page à leur mari. Bravo. On avance seulement. Merci Diamant Noir. Maintenant, si ton mari est déjà un peu ouvert à la spiritualité, j'ai une de mes filles, elle est quelque part en bain. Au départ, son mari, quand elle suivait les vidéos, son mari regardait seulement. On est trois dans la maison-ci. La femme que tu suis sur Facebook, toi et moi. Et ils sont couchés dans le lit. On est trois dans le lit-ci. La femme que tu suis sur Facebook, toi et moi. Maintenant, hier, elle voit, j'ai commencé à mettre à votre disposition les bracelets-ci. Ah, c'est les bracelets attirance. Et ces bracelets-ci, hier, j'ai mis ça, ça a chauffé sur ma main toute la journée, vraiment. Il y a aussi une onction dans ça. Tu veux faire le jeûne accompagné de produits, mais tu n'as pas l'argent. En 5 ans, tu achètes le sel, ma chérie. Si tu n'as pas mon sel que je vends, c'est 2000. Si tu n'as pas 2000, fais avec ton sel de 5 ans, tu fais tes prières, ça va marcher. Tu fais avec ton beurre de pipi, ma chérie. Tu as compris? Ne vous sentez pas mal parce que vous ne pouvez pas acheter mes produits. Il y a une de mes filles qui me suit depuis au moins un an. L'autre jour, elle a commencé à avoir beaucoup d'entrées financières. Après tant de délivrance dans les rêves, seulement au bain de pipi. L'autre jour, elle écrit, je vais acheter mon kit, ma reine. Elle dit, n'est pas l'argent pour moi s'entrer. Allez-y pas à pas. Je ne suis pas pressé avec vous. Tu vas acheter mes kits. Il y en a parmi vous ici là. Vous allez acheter les produits même pour 500 000 souvent. Je dis que souvent les gens qui arrivent, il y a les jours où les gens viennent de Mingla. Ils amènent même trois de leurs frères et soeurs. Il y a une dame l'autre jour, elle est venue. Elle a dépensé presque 600 000 en une journée. Presque 600 ou 700 000. Elle est venue avec deux de ses frères. Et j'ai fait son couronnement sur place. Elle a eu la chance de me trouver. Donc, si ton mari est déjà progressivement en train de... Il commence déjà. C'est dont je parle que le mari disait, tu connais trois dans la maison aussi. Hier, quand je monte les bracelets, elle va acheter. Elle me dit que, s'il vous plaît, achetez ça pour vos maris, achetez ça pour vos hommes. Ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a aussi pour les hanches. C'est l'une d'entre vous qui a rêvé et les ancêtres lui ont dit de me dire. Elle m'a dit. Et on dit que je dois faire ça aussi pour beaucoup d'entre vous. Elle dit que j'ai mis les bracelets sur moi hier. Elle m'a dit ça avant-hier, j'ai mis ça sur moi hier. La puissance qui traversait mon corps hier est... C'est ça pour vos maris aussi, s'il vous plaît. Donc, quand elle commandait ça, elle me dit que son mari fait déjà le bain de pipi. Il fait déjà le bain de pipi. Donc si tu ne peux pas jeûner, si tu ne peux pas jeûner, tu suis les prières, tu te disciplines dans les heures de prière, tu fais toutes les autres choses et tu choisis quelque chose dont tu peux te priver. C'est-à-dire, peut-être tu es accro aux plaintes, tu te plains beaucoup. Oui, vous pouvez mettre sur les enfants, mais pour les enfants, on ne va pas faire avec l'élastique comme ça. C'est un élastique très solide, ce n'est pas l'élastique. Parce que ceux qui ont acheté mes bracelets, si vous allez voir que le ici, c'est différent.
On a fait ça avec une corde un peu plus solide. Stéphanie, pardon, je ne dis pas les prix, mes choses en ligne. Mes choses sont très chères. Tu as compris, mamie? Quand tu demandes le prix comme ça, là, mes choses sont très chères. Donc, allô? Oui, 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 je suis en direct, donc je peux pas, j'utilise mon téléphone pour travailler. C'est pour ça qu'elle demandait qu'elle t'écrive. Oui, viens comme elle a indiqué là. Dis-lui que c'est aller-retour, voilà, c'est ça. Tu as posé une question, peut-être que je ne l'ai pas lue. C'est vrai, au départ, je n'avais jamais même 5 000 pour moi-même. Mais au fil du temps, vos enseignements, les bains de sel, de pipi, doucement, doucement. Et aujourd'hui, ma reine, tu as pu acheter tes propres choses, c'est bien. Voilà, il y a Sam qui dit que ma, l'efficacité de vos choses dépasse ce que l'on dépense pour les avoir. Sam, merci pour ton témoignage. Tu sais, quand j'ai commencé à comprendre le travail spirituel, c'est pour ça que j'ai pu. Il y a les encens, non? Vas-y, par exemple, c'est des encens ici. Voilà. Voilà les encens. Un jour, le Seigneur, vous devez fonctionner comme les Américains. Les Américains sont le genre que. Les Américains, ils fonctionnent avec. Investissement. Va voir sur ma page pour le bain de pipi diamant noir. Je peux essayer pour expliquer le bain de pipi. Sors de direct, tu vas sur la page. J'ai épinglé 3 vidéos en haut. Il y a la vidéo du bain de pipi là-bas. Ok? Apprenez à chercher aussi. Apprenez à chercher. Voilà. Donc le Seigneur m'explique ceci. Si chaque jour, brûler l'encens. Ou à l'encens sinon. Supposons je te vends la brindille à 100 francs. Parce que mon encens coûte 2000 francs. Tu vois non? Tu brûles ça à 100 francs. Tu prends le sel que tu as acheté à 2000. La portion que tu utilises ce jour-là, c'est le sel de 100 francs aussi. Tu utilises l'huile mille faveurs. Tu prends la portion d'huile de 100 francs aussi. Donc, pour ton travail spirituel quotidien, tu dépenses 500. L'encens, si dans ta maison s'enlève les mauvaises énergies qui bloquaient tes 15 000, tu vois que tu as déjà reçu ton argent, non? Hein? L'huile maintenant que tu as mis sur ton visage, l'huile fait qu'on te donne 50 000. Le sel fait maintenant que tu arrives quelque part dans le boulot qui va te donner 300 000 le mois. Avec les produits de 500. Tu prends le kit. Ceux qui ont acheté le kit, il faut que je compte le nombre de produits que je mets dans le kit. Mes kits ont beaucoup de produits. Parce que j'ai vu que quand je vendais une seule chose à quelqu'un, je vends le sel, il part. Il a encore des problèmes. Il vient, je lui donne l'encens. Il part. Après, il vient. Je prends l'huile de blindage. Je lui donne. Il part. Entre les, il part, il vient. Il part, il vient. 6 mois sont passés. Et c'est au bout du 7e mois que je vois sa vie change. Jusqu'à il peut avoir quelque chose dans sa main. Maintenant, le Seigneur me dit un jour, n'aie pas peur de leur dire de prendre ce qu'il leur faut.
Parce que moi, quand je pars à l'hôpital, je préfère que le docteur me dise que si tu achètes tout ça, c'est 150 000. Ça va te soigner. Et dans 4 jours, tu es guéri. On t'a mal soigné la typhoïde. On a mal soigné ta typhoïde. Ah! Écoutez, typhoïde par lui ne connaissent pas ma maison. Un jour, la première fois de la vie de ma fille qui est tombée malade, et la seule d'ailleurs, elle avait 10 ans et demi. On avait déménagé, on était à Yassa. Et on vivait chez un bailleur qui disait que oh, l'eau du forage est potable, gna gna gna. Donc pendant 2 jours, il n'y avait pas d'eau à la maison. Elle a pris l'eau du forage, on a filtré. Elle a bu. C'est comme ça que, pam, elle attrape la typhoïde. J'arrive à l'hôpital, le docteur fait les examens, nanana. Il commence à me dire que tu sais vraiment. Je lui dis que papa, ce n'est pas l'argent qui manque. Il faut quoi? Il dit qu'il y a des traitements en comprimé ou bien indigène, ça prend le temps. Il me dit que vraiment, mais il y a les injections. Et puis il m'a montré un traitement, il a dit que non, c'est un peu élevé, mais ça te ravage tout ce qu'il y a dans le corps. En moins de temps, et ça fait le travail. Il dit, docteur, mets le meilleur. Et les 2 jours qu'on a passé à l'hôpital, en attendant qu'on trouve et qu'on trouve clairement le traitement et tout ça là, je restais voir comment mon enfant souffrait. Moi-même, je souffrais, j'étais mal à l'aise. Après, il dit que non. Je ne comprends pas les gens que tous les 2 mois, vous êtes à l'hôpital. Et c'est la mentalité qui doit sortir de ton corps. Ça, c'est la mentalité de pauvre. J'ai un petit palu là. Oui. C'est quoi? Nawati. Et que tu sais qu'il y a des gens qui ne tombent jamais malades. Apprenez à faire les choses bien. Achetez tout ce dont vous avez besoin. Vous mettez. Ça ne va pas vous tuer. Ça ne va pas vous tuer. Il y en a parmi vous, votre corps déjà habitué. Le corps lui-même, il a appris. Typhoïde, bien. Tu prends le traitement de 15 000, tu mets. Tu as fait le kit déblocage et fondation. Refais fondation, après tu prends le kit célébrité, Chantal. Refais fondation. Et le kit fondation, c'est quelque chose que tu fais 2-3 mois. Quand tu vois tes choses, il faut un peu un genre. Tu prends encore notre kit, tu engages 7 jours de jeûne, tac. Tu vois, comment ça a débloqué les choses. Ne vous dites pas que le kit fondation, c'est un kit à vie. J'ai une amie là. Quand elle parle souvent mes choses sur Facebook, vous pensez que oh, elle n'a rien à faire. Elle n'a rien à faire. Si quelqu'un vient seulement pour nous ambiancer. Cette femme, depuis qu'elle me suit et qu'elle vient, la première fois qu'elle est venue, même l'esprit de rejet qu'elle avait sur elle, elle dit, maman, j'ai les dragueurs. Maman, quelqu'un t'a dit que je viens d'acheter la maison de 100 millions. Tu demandes 2 millions pour faire ton commerce. Il tourne comme la chaise du coiffeur. Que je suis dépassée. Oh bébé, je suis arrivée en retard. On était au titre foncier parce qu'on finalisait. J'ai acheté la maison de coton. Oui. Ouais, papa, je veux lancer mon business depuis là. Je veux aller acheter les trucs. Ouais. Ouais. Voilà le genre d'esprit de déjà qui avait suivi. Elle a signé une dingue sur moi. Parce que vous connaissez vous-même là que il y a des gens que. Pour me voir, si tu n'as pas la persévérance. Généralement, mes premiers contacts avec les gens là, l'autre est arrivé chez moi l'autre jour là, une de mes filles, elle a attendu 3 heures ou 4 heures de temps dehors chez moi à 6 heures. Quand elle était en route pour rentrer, c'est là qu'elle finit tout ce que j'avais à faire. Je devais être au bureau à 12 heures. Le jour, je ne suis même pas passé au bureau. On s'est seulement vu en route pour aller quelque part manger. Donc, si tu n'as pas la patience, si tu n'as pas la patience, just leave up. Quand je commence à travailler sur elle, pendant un an, un moment elle est high, un moment elle est down.
un moment elle reste comme ça là, elle te dit waouh, mon business marche, waouh, on est à Dubaï avec l'entreprise, on est en train de faire ceci, waouh, je vais lancer ça, oui. Souvent elle m'appelle comme ça, elle va me gifler avec 1 million. Après elle m'appelle, waouh, on a pris tout mon argent. Wow, je n'ai même pas 550 000. Wow, je vis au jour avec les enfants. Quand c'est comme ça, le reste de petit argent qui reste dans sa poche, elle gratte. Elle vient, elle prend 3 kits. Elle s'assoit à la maison, elle fait. Donc une énième fois, ça fait environ un mois. Elle a pris encore un tas de kits. Pour faire. Dans la période là. Sa belle-sœur, la sœur de son mari et son mari ont eu des problèmes, une altercation. Hey! Elle est assise, les deux s'engueulent. Écoutez la conversation. La sœur dit au frère, n'est-ce pas, c'est toi, tu allais pratiquer sur ta femme, hein, qu'elle ne va jamais rien devenir, hein, que ses affaires ne vont jamais marcher. Le frère se tourne. N'est-ce pas, c'est toi qui es parti prendre les... Tu as travaillé avec les ossements humains pour pratiquer sur elle toujours, hein? Pour que tout ce qu'elle fait avec son argent, elle te donne toujours. Elle dit qu'elle était choquée. Hé! Hey! Souvent, quand elle raconte, mais laissez, on va vous parler vos choses. N'est pas qu'elle pense que je suis pas folle, hein? Je ne suis pas folle. Elle était choquée. Que dans les choses marchent souvent, après ça tombe comme ça là. On a fait le coup double. Coup double. Et elle se plaint toujours que maman, je suis à la maison, hein. Même la cuillère, c'est moi qui achète. Toutes les factures d'électricité. Tout. Donc mon mari entre, il se couche dans sa chambre d'amis. Il dort. Il vient le matin. Il regarde la nourriture. Il mange. Il ne sort pas sans avoir honte. Et après, quand il voit, il fait mes choses, quand il voit, ça fait un peu marcher comme ça. Là. Un jour, elle devait voyager. Parce qu'elle est une grande fille de 18 ans. Elle ne dit pas à son mari qu'elle voyage. Elle dit à sa fille. Elle part le premier jour. Parce que c'est déjà devenu un coup. Donc, il a dit qu'il ne déménage pas. Que c'est le caterpillar. Tu as vu une maison où. Et il dit que c'est le caterpillar qui va la relever. Premier jour, elle arrive en Benin, elle est bien. Deuxième jour, problème, tout l'argent qu'elle attendait. Donc, elle a voyagé en attendant qu'on lui envoie l'argent. Tout est bloqué. L'argent de la marchandise, on n'en voit plus. Troisième jour, elle a une attaque dans son lit, dans l'hôtel. Dans son lit, dans l'hôtel. Paralysie. Et elle avait comme par hasard rencontré la veille un monsieur nigérian. C'est le monsieur qui vient s'asseoir à son chevet, il commence à prier. Il commence à prier. Plus tard, elle sort de son truc. À l'étranger, il dit que maman, tu reviens de loin, que je n'ai jamais vu ça. C'était avant qu'on ne lui révèle ce qu'on lui a révélé, que c'est nous qui te bloquons. Et elle ne sent pas que c'est Dieu qui lui a permis. Écoutez, hein, quand vous faites votre travail spirituel, demandez que Dieu ouvre, montre. Comme ça, tu sais qui est ton ennemi. Parfois, tu laisses comme ça, Dieu te montre un peu, mais tu dis que ce soit clair. Le genre de clarté que tu ne doutes même plus. Oui. La méchanceté de l'être humain. Hein. Parfois, ça me donne la chair de poule. Que pourquoi ton propre mari va travailler, que tes business ne vont jamais marcher. Hey! Hey! Bon, hey, Seigneur Jésus. Hey! On est dans la maison ensemble. Je suis la mère de tes enfants. 1, 2, 3, 4. Écoutez, hein, vous dites quoi que je suis, elle parle que bonjour, lumière sur toi, papa, merci. Quand elle parle mes choses, vous dites que je suis là, je n'ai rien à faire de ma matinée, de mon dimanche matin. N'est-ce pas, je n'ai rien à faire. Hein? Ok.
Continue de dire que je n'ai rien à faire. Comme je suis bête là. Il y a des choses que quand les gens me racontent souvent leurs histoires, ça rentre dans mon corps, ça me donne la rage. Je dis que Seigneur, montre-moi les moyens pour délivrer toutes ces personnes. Parce que souvent, tu es juste là avec ton bon cœur sur les gens. Mal d'estomac et de cœur. Hier nuit, tu as mis l'huile de blindage sur toi. Voilà. L'huile de blindage délivre beaucoup. Hein. Pour fabriquer l'huile, là, je mets les trucs anti-démons, les trucs anti-sorcellerie, les retours à l'envoyeur. L'huile, là, c'est pas la blague. Bonjour, Alliance. Ah, Seigneur. La femme m'avait tellement énervé que quand j'ai... Elle a des petits qu'on a les commentaires. Ah. Je vois le décepticon là. En passant, il y a les décepticons qui vous écrivent aussi pour faire comme si c'est moi ou avec mon nom. Donc ce n'est pas moi, pardon. C'est bon, Decepticon bloqué. Merci, cosmétique. Prenez l'équipe, vous travaillez. Il va enseigner sur le jeûne, mais me voilà en train de parler parce que vos histoires me font tellement mal, si vous savez. Je n'aime pas qu'on menace quelqu'un. C'est horreur. Voilà, il y a des décepticons. Il t'a envoyé l'invitation sur Facebook. Non, ce n'est pas moi, pardon. Ok, bon. Ce que vous allez demander pendant le jeûne aussi, il y a Habakkuk chapitre 4, verset 10. Vous demandez que le Seigneur élargisse votre vision. Parfois, tu restes, tu vises 2 millions, alors que le Seigneur a prévu. Il n'y a pas les bracelets sur mon catalogue WhatsApp, c'est vrai, on n'a pas encore mis. Voilà les bracelets. Il y a ça, il y a ça, il y a l'œil de tigre. Il y a les bracelets en œil de tigre. Comme ça. Le bracelet avec cette matière. Œil de tigre. Voilà. Il connaît un monsieur qui était bloqué par son propre père pour ne pas trouver de boulot. Il a dit bonjour chérie avec les cœurs. En tout cas, je dis parfois ta vision, tu vises 2 millions alors que Dieu a prévu 500 millions pour toi. Donc, demandez au Seigneur d'élargir votre vision. D'élargir votre vision. Demandez aussi au Seigneur de vous aider, de vous donner la grâce d'arrêter les habitudes. Vous avez des habitudes destructrices. Donc, tu fais des trucs qui ne sont pas bien pour toi, mais tu continues de les faire. Donc, le jeûne aussi, c'est une période pendant laquelle tu peux arrêter. Parfois, c'est aussi une période où tu peux arrêter de manger. Parfois, tu manges trop de sel. Parfois, tu manges, je ne sais pas, mais c'est une période pour demander, pour arrêter certaines choses. Voilà. Tu veux les bracelets, Chantal, dans ta commande, demande qu'on te mette les bracelets. Donc, tu demandes d'arrêter les choses qui te détruisent. La masturbation, les films porno, l'addiction à TikTok. Aline demande pourquoi on bloque quelqu'un. Pardon, mamie, pardon.
C'est les gens bloqués qui se demandent pourquoi on bloque les gens, je pense. Ma chérie, je crois que tu dois être quelqu'un qui ne croit pas que quelqu'un veut te bloquer dans ta vie. Pardon, ça va? Viens, va voir. Aïe. Donc, c'est aussi un moment pour aller devant Dieu, amener votre famille, faire un peu comme un avocat. Like, you know, you plead with God. Ouais, un peu. Seigneur, je t'amène mon mari, je t'amène mes enfants, je t'amène ma belle-mère, je t'amène ma mère, je t'amène ceci, mon boulot, je t'amène telle situation. Aller devant Dieu. Ah, d'accord, Aline, je pensais que tu ne comprenais pas pourquoi on bloque quelqu'un. Ok. Les gens bloquent parce que c'est leur nature, non? Le diable ne peut faire que son travail. Demandez aussi l'ouverture de vos oreilles spirituelles. Pour entrer en contact avec moi à partir de la Côte d'Ivoire, le lien de mon WhatsApp, c'est dans la bio. Donc si tu montes en haut, tu vas voir là. Ok? Dans la bio. Va dans ma bio, tu cliques sur le lien. Donc, le jeûne, on va le commencer demain à 6h, comme j'ai dit, 6h, 18h. Si vous êtes enceinte, ne jeûnez pas. Si vous avez pris des médicaments, vous êtes malade, ne jeûnez pas. Okay. Mais faites toutes les autres choses que j'ai demandées. C'est-à-dire, vous devez écrire ce que vous désirez. C'est aussi le moment de reprendre ta volonté, reprendre ta force. Parce que j'ai parlé au départ du fait que l'ennemi utilise l'hésitation contre nous. Donc, il fait que tu hésites beaucoup. Donc, le jeûne, c'est l'opportunité pour nous pour reprendre la force. Que tu prennes une décision, que tu la tiennes. Pour être ferme. Laura Kevin, on va prier plutôt à 5h du Cameroun. Ça fera 6h de France. Donc, on va prier à 5h. Je crois que 5h du Cameroun, en Côte d'Ivoire, c'est 4h. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire en Côte d'Ivoire. Vous allez seulement vous lever. Donc c'est le moment aussi pour reprendre votre force, ok, your willpower, votre force, pour développer de nouvelles habitudes, pour aller intercéder devant Dieu, parce que quand Jésus voulait, il y a un moment les disciples de Jésus n'arrivaient pas à chasser un démon de quelqu'un, donc ils demandent donc à Jésus que pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser les mauvais esprits de cette personne. Jésus dit que ce genre, cela ne sort que par la prière et le jeûne. 5h au Cameroun, ce n'est pas 7h en France, ma chérie. Comment? On n'a jamais eu 2h d'écart. Jamais. Soit on a la même heure avec la France, soit vous êtes en avance sur nous. Mais jamais 2h. C'est la Côte d'Ivoire qui a souvent 2h d'écart avec vous, pas nous. Je me rappelle, j'étais à Abidjan à une période l'année passée. C'était une période où la France avait 2h d'écart. Mais on n'a pas le Cameroun, non. Au Gabon, c'est 5h, ma chérie. Donc, il y a des démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Et le jeûne. Et le jeûne. Voilà.
Donc, pendant ce temps de jeûne aussi, tout le temps que tu passais à... décide que si tu passes 3 heures sur le téléphone, ça va pour écouter des enseignements qui vont te fortifier. Des enseignements qui vont te donner la direction. Des enseignements qui vont te restaurer. Pas pour les trucs. Ce qui fait que si dans la journée tu es tenté d'aller peut-être sur Netflix, d'aller regarder les trucs qui vont te... Non, tu résistes à ça. Tu résistes à ça. On fera 40 jours à l'île. Bonjour Solani. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on commence le jeûne demain. Donc, je ne sais pas là où tu as d'abord pris qu'on fait le jeûne. Pour me dire que tu demandes encore quand est-ce qu'on commence. Il est quelle heure au Togo actuellement? Ici, il est 8 heures. Il est quelle heure au Togo? Bienvenue Alice, qui est nouvelle. Aline, qui est nouvelle. Bonjour, pardon, filme un peu les travaux. Tu me montres l'évolution. Merci. Voilà, il est 7 heures là-bas. Ça veut dire que quand nous on va prier, vous avez la même heure que la Côte d'Ivoire alors. Donc, quand il sera 5 heures ici, vous allez vous lever à 4 heures. Mettez vos alarmes, s'il vous plaît. Important. Est-ce qu'il y a des livres spécifiques de la Bible à lire? Donc, il y a le Psaume 109, verset 24, Jérémie 36, verset 9. Ceux qui sont dans le groupe, je vais vous donner les passages. Seigneur du cœur, si tu veux, tu peux commander tout bracelet qu'on fait, on peut fabriquer pour les enfants. Parce que j'ai quelqu'un qui fabrique les bracelets, on peut fabriquer pour les enfants. Merci pour l'abonnement, Stéphanie. Donc, pendant le jeûne, il y a ceux qui... Je vous demanderai de boire de l'eau. Ça va faire tenir dans la journée. OK? Si l'esprit vous demande de faire à sec, faites-le à sec. Mais on va sans nourriture. OK. Donc, mettez votre alarme pour vous réveiller à l'heure, s'il vous plaît. Important. N'ayez pas d'excuses. Écrivez ce que vous désirez, qui se passe. Vous voulez briser quelle chaîne? Pendant le jeûne, tu as le droit de briser les chaînes des malédictions générationnelles sur ta famille. Tu as le droit de délivrer des gens de la prison. Tu as le droit de... Donc, c'est ton droit, c'est ce que tu peux faire. Sam, si tu es malade, fais affreux. Mais si tu n'as pas de cas de maladie, jeûne totalement. Pousse-toi un peu plus. Si tu n'es pas malade, bien sûr. Ouais, excusez-moi. Tapotez, s'il vous plaît. Pour rejoindre le groupe, vous écrivez au numéro de téléphone qui est sur la page, ici aussi. Il y a un lien dans ma bio, 237 693
50 22 66. Chantal, personne n'a reçu sa vidéo de lavage puisque j'ai pas fait le lavage encore. Je n'ai pas eu de feu vert depuis. Depuis, elle dit qu'elle veut faire, mais pas de feu vert. Votre travail, je ne le fais que quand j'ai le feu vert pour le faire. Même ceux qui ont les sacrifices d'animaux qu'on doit faire. Bon, rejoignez le groupe, on va donner les informations dans le groupe parce que les gens viennent et demandent encore les mêmes questions après. Après, ça devient fatigant de faire les mêmes, de répondre aux mêmes questions. Vous en prie, ayez un cahier, c'est-à-dire quand vous allez écouter les enseignements, j'appelle l'opportunité pour toi pour aller écouter mes enseignements. Tu repars, j'ai au moins 700 vidéos sur YouTube. Tu remontes, tu écoutes, tu prends des notes, prenez des notes, je vous en prie. Tu peux décider que tu sors de la pauvreté cette année. Et que ce jeûne-ci là, c'est l'opportunité pour toi. Donc tu te conditionnes en te mettant dans l'environnement idéal pour ça. Tu apprends. Je suis en train d'envoyer les liens aux gens pour qu'ils en aillent dans le groupe. Le lien est là. Allez dans ma bio. Sur ma page TikTok, vous regardez en haut. Ouais, TikTok. Les gens de TikTok, en fait, les gens de TikTok, vous n'aimez pas faire l'effort. C'est ça qui m'énerve. Vous êtes très paresseux. Ceux qui me suivent sur Facebook depuis un temps, vous savez, moi, je vous ai informé pour ça. Parce que même si tu veux devenir riche, l'argent, là, c'est un peu comme la manne. Dans la Bible, quand le Seigneur déposait la manne le matin, il devait sortir pour ramasser. Ne soyez pas paresseux, s'il vous plaît. Tu dois sortir, il y a un effort qui est nécessaire de votre part. Vous aimez seulement qu'on vienne tout vous donner. Quand tu donnes trop de choses aux gens, ça fait une dépendance. Voilà, tu as intégré le groupe. Ceux qui m'écrivent, je vous envoie le lien. Et n'entrez pas dans mon groupe pour faire les décès que tu connais. Pour l'instant, personne ne peut commenter parce que j'ai bloqué. Personne ne peut écrire dans le groupe. Parce que je vous connais. Vous allez venir avec eux pour commenter. Dire, oh, ma vie ne marche pas. Mes choses ne marchent pas. J'ai un autre groupe. Là-bas, ils me connaissent déjà. On ne pleure pas ici. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Et si vous pensez que vous allez entrer dans le groupe, je serai là pour faire tout le travail pour vous. Vous avez menti. Vous avez menti. Je ne fais pas le travail pour vous. Je vous guide pour faire le travail. Même quand tu viens chez moi pour que je travaille sur toi, je te donne le papier. Je dis, écris ce que tu veux. Ah, je crois que c'est toi qui allais parler sur moi. Écris ce que tu veux. Tu veux que tu laisses. Je n'ai pas de mauvais pressentiment, ma chérie, mais si tu pars et qu'il n'est pas là, en fait, tu seras déplacé pour rien. Parce que le truc, c'est que quand tu le vois, le monsieur, il est très gentil physiquement. Il est très gentil. La veille, il m'avait énervé comme ça. On avait un rendez-vous, il a zappé.
Mais le lendemain, quand il vient, il s'excuse vraiment, il est désolé, il est désolé. Donc, si tu veux partir, tu pars, ma chérie. Mais je ne sais pas pourquoi il ne décroche pas, hein. C'est énervant. Écris le numéro 237-693-50-22-66. Ok. Donc, moi, je veux que vous bossiez. Bossez. Toutes celles ou ceux parmi vous qui ont commencé à faire le travail spirituel. Vous-même, vous m'envoyez souvent des messages inbox qui me disent que waouh, maintenant je connais comment prier. Maintenant je connais comment faire ceci. Parce que c'est ça mon but. En fait. Tu dois grandir spirituellement. La croissance spirituelle est nécessaire. Tu dois grandir. Tu mûris, tu apprends à parler. Tu es même dans le rêve comme ça là. Quelqu'un vient, tu le tapes. Viens même. On te tapait dans le rêve avant, non? On te poursuivait, non? Ouais. Maintenant, c'est toi qui vas poursuivre. Tu vas taper, tu vas couper leur tête. Et on te dit que ah, tu es trop puissante. Tu es trop puissante. Oui, c'est comme ça. Bonjour, Queen. Queen, j'aime ta photo de profil. Toi, tu vends des bijoux. Merci pour les fleurs, Queen. Vous devez apprendre à pêcher. Je peux qu'à 3 heures, je sois dans mon lit en train de dormir. Ou bien en train de manger le chocolat. Tu m'écris, hey, je veux la prière. Commence d'abord toi-même avant que tu viennes, je m'accorde avec toi. Oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, je bénis votre journée. Maintenant, je vais faire les déclarations sur vous. Je déclare qu'aujourd'hui, la faveur va vous accompagner. Je déclare que toutes les portes qui avaient été fermées dans le passé seront ouvertes aujourd'hui. Je viens aménager votre maison, je viens aménager votre voiture, votre bureau, tout ce dont vous avez besoin. J'appelle ces richesses au nom de Jésus. Je déclare que vous vous décidez pour investir. Je déclare que vous vous décidez. Et quand vous avancez, le Seigneur lui-même aussi confirme ce qu'il vous a dit au départ. Que toute peur que tu avais, peur de te lancer, peur de faire quelque chose, peur, peu importe la peur qui était en toi, je déclare que cette peur est effacée au nom de Jésus. Je déclare qu'à travers ces 40 jours de jeûne que nous allons faire, tu ne manqueras pas. Que dans ces 40 jours de jeûne, chaque jour, je suis en train de vous envoyer les liens comme ça pour entrer dans le groupe. Chaque jour de ces 40 jours de jeûne, tu vas te fortifier. Chaque jour, tu vas recevoir ce qui te revient de droit. Tu n'abandonneras pas. Tu vas développer en toi une force de caractère. Une force qui n'abandonne pas. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu te lèves. Je déclare que tu te lèves. Wouh! Je sens vraiment la puissance qui va vraiment revenir. Je bénis ton fils de 3 ans qui est en train de regarder ma vidéo. Je déclare aujourd'hui que vos enfants ne manqueront pas. Je viens ouvrir les dons de vos enfants. Je restaure vous-même vos propres dons au nom de Jésus. Je déclare, quand vous m'écoutez comme ça, vous prenez la décision de jeûner. Même si ça fait 10 ans que tu n'avais pas jeûné. Je déclare que tu jeûnes au nom de Jésus. Je déclare que tu reprends les choses que tu avais abandonnées. Je déclare que tu reprends ce que tu avais jeté. Tu avais jeté l'éponge sur cette chose-là. Je déclare que tu reprends au nom de Jésus. Je déclare que tu te relèves. Je déclare que tu te décides à nouveau. Tu hésitais depuis. Tu ne savais pas. Je t'enlève de l'hésitation. J'enlève, je dis que toute partie de ta vie où tu étais dans le doute, où tu ne savais pas, où tu étais indécise, je déclare que tu te décides clairement. Je coupe court au nom de Jésus. J'augmente ta volonté. Quand tu prends une décision, tu la respectes. Quand tu prends une décision, tu la respectes.
Tu prends une décision, tu la respectes. Bonjour bébé. Et sur la salive du bébé. Elle m'envoie la photo de son enfant avec la... Il a dormi avec la bouche ouverte. Il a salive ici. Comme tu m'écoutes, ma parole, ma voix transperce ton corps. J'enlève tout onde, tout ce qu'on a mis pour attacher tes bras. La lourdeur qu'on a mis sur toi. Comme tu m'écoutes, je te sors de tout ce cœur dans lequel on t'a mis. Tout esprit de faiblesse. Je casse ce cœur-là au nom de Jésus. Tu te lèves. Depuis 5 ans, 8 ans, 2 ans, 3 ans, ta vie de prière, t'étais mort. Je déclare que ta vie de prière se relève au nom de Jésus. Je déclare que tu te relèves. Maman Marie. Voilà notre mère. On applaudit Bouki. Maman Marie. Tic. Ah. Moi-même, je reçois la force pour vous accompagner dans ce jeûne. Que je ne faiblisse pas. Que j'ai de révélations, que j'aille de révélation en révélation. Que ma puissance augmente, comme la vôtre augmente. Je vous délivre des peurs. Je déclare que ta confiance revient. Ton amour pour Christ revient. Tu as envie de repartir vers lui. Tu sais, parfois l'ennemi peut mettre des situations où tu es déçu. La déception fait que tu... Il ne veut plus. On te parle de Jésus, tu dis, ah. Les femmes enceintes ne jeûnent pas, vous me posez les mêmes questions. Ouais. Il y a 17e, 50 fois, les femmes enceintes ne jeûnent pas. Tout ce que l'ennemi a mis dans ton cœur, peut-être tu as été avec un homme ou une amie. Et ces personnes vous ont découragé sur le Christ ou la Vierge Marie. Vous savez, avant, je ne connaissais pas vraiment Maman Marie. Je ne savais pas que c'est elle qui me protégeait. Je ne savais pas que c'est elle qui était là pour me couvrir de ses ailes. Je ne savais pas que c'est elle qui me guidait. Et là, elle s'est pointée. Elle a parlé. Elle a confirmé. Et avant, j'étais dans l'église réveillée. Vous savez, les églises réveillées font un grand travail contre Marie. Je ne sais pas pourquoi. Donc, les enseignements que j'avais eus dans l'église réveillée, ça m'a beaucoup découragée par rapport à la Vierge. Beaucoup. Ce qui ramène Marie à
à rien en fait. Alors qu'elle est tout. Oui, il parle de l'idolâtrie. C'est pour ça que moi, je fonctionne toujours avec mes révélations. Jésus s'est révélé à moi. Marie s'est révélée à moi. Et puis, mes ancêtres ont fait leur travail. Donc, je fonctionne avec ce que je connais. Solani, en 40 jours, une femme normale doit saigner. Bon, si tu ne saignes pas en 40 jours, tu devrais t'inquiéter. Quand on dit jeune de 40 jours, ça veut dire que tout le monde va saigner, non? Voilà. Donc, ne me posez pas des questions qui n'ont pas de sens. Merci. Bonjour, roi Jordan. Bon, je bénis votre journée. On reste connecté pendant cette journée, ok? Au revoir à tout le monde. Bonjour, Ingrid.